Live dans le fond, j'ai un Warhead Sour Lemon Soda. Première fois que je goûte à ça, je vais donner une note de 1 à 10. Puis là, qu'est-ce qu'il y a, c'est que je m'en vais chez fucking Wendy's après 5 ans d'absence. Fait qu'on prend le métro, on paye le métro. Et bien sûr, on est handicapé, donc on tient la rampe. Je tiens à vous avertir, là, ça fait 5 ans que je suis pas allé, là, si c'est fermé, moi chez Burger King. Let's go. Bon ben, ça a pas de l'air fermé, gang. On y va, let's go. Ah ouais. Let's go. Là, pour aller là-bas, on est pogné sur la mythique autoroute des Caraïbes. Où est-ce qu'il y a eu des centaines de millions de morts au fil des années. Santé Canada en parle, ces paquets de cigarettes. Ils disent, fumez, fumez, y'a rien là, c'est-tu. Elle pire, c'est cette autoroute-là. Là, vous allez crever, vous allez là. C'est pas moi qui le dis. C'est eux autres. Bon, et vu que c'est ouvert, dans le fond, il me reste à me faire servir en français. Si je sais pas si je vais être capable de me faire servir en français là-bas. Mais c'est pas grave, là. C'est grave, puis c'est pas grave, mais en tout cas, au moins c'est ouvert, gang. Bien sûr, là-bas, il y a des burgers, quoi, oui. Je pense qu'on va y aller avec le numéro 5, là. C'est comme le best truc qu'il y a, là. T'sais, je veux plus de bacon, plus de petit que ça. T'sais, le reste, ça a de la merde. J'avais pas le choix d'aller aux toilettes en attendant, là, le gars il sait même pas, mais. Crémeux qui va le savoir. Tout ça pour goûter au Warhead en premier. Ok, c'est super bon. 8 sur 10 pour ça. Le burger est assez décevant. On va dire qu'il est quand même petit. Petit mais très bon. 9 sur 10, je dirais. Fait que ceux-là, ils sont à Montréal. Ils sont pas à Montréal. Venez chez Wendy, ça en vaut à peine. C'est comme Taco Bell, j'aime pas trop ça, mais lui, je pense qu'il en vaut à peine. Honnêtement, c'est pas le meilleur fast-food, mais c'est satisfaisant. Vu que c'était pas assez, c'était un gros peur. Mais j'ai vu que pour 3,50, parce que c'est pas cher ici, hein. Pour 3,50, tu as 6 croquettes. Tu vas avoir ta petite sauce, fait qu'on va essayer en même temps la sauce barbecue, Heinz, avec les croquettes, voir si c'est comparable à McDo. Comme je dis, ça fait quand même 5 ans que je suis pas venu chez Wendy's, si tu veux qu'on essaye ça. En partant les croquettes plus sans sauce, ça se compare pas à McDo. Ça, c'est un petit peu plus barbecue que McDo ou que les autres endroits même. C'est qu'il voit un beau 6 sur 10 parce que c'est pas les meilleures croquettes au monde. Mais en même temps, les croquettes, ça peut comme pas être dégueulasse vraiment. À part si t'es fait pas plus. Hein. Donc, bon. Avec un 6 sur 10 pour les croquettes. Et, je ne le savais pas parce que je vois jamais. Mais un beau burger quasiment du même format qu'on avait tantôt. Et c'est passé avec la laitue, de la tomate, puis du bacon aussi. C'est genre 3 piastres. Ce que j'aurais dû demander, qui équivaut à un beau. Je dirais 5 sur 10. Le bacon est croquant. Ça fait un job, mais il faut leur mettre sur 10 juste pour le fait que pour 3 piastres, t'as un beau burger, genre.